Moi, ça, les amis, mais c'est un plaisir pour que nous capables ensemble, jeudi, qui c'est dimanche 19 juin, dans l'objectif pour nous capables étudier ensemble, étudier l'école du sabbat. Jeudi, à nous parler, partie leçon qui titrée Jacob va à la rencontre de Joseph. Jacob va à la rencontre de Joseph. C'est un thème que nous allons développer ensemble, jeudi. Mais pour nous commencer, à nous prier, bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, comment pour nous battre à remercier pour tout ce qu'on fait pour nous, pour ça continuer à faire dans la vie. Nous. Merci parce que chaque jour ou toujours, mettez parole à notre disposition pour nous capables d'étudier, comprendre et pour nous vivre selon volonté. Tandis que nous allons étudier ensemble une portion d'un cadre. Étudier maintenant, nous demandons au Père des cieux que va avec nous, aidez-nous à comprendre parole et mettez en application. Béni, dirige, protège, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Moi, je voulais remercier aux amis pour l'effort que vous-même vous consentez chaque jour pour capable étudier l'étude d'école du sabbat. Et pas oublier, lorsqu'on étudie, je confie un devoir qui s'est partagé le sens avec entourage pour faciliter plus de monde à arriver à étudier le son école du sabbat. Et si vous n'êtes pas abonné, Abdou, et fait ça bien rapide et encourager l'autre monde, fait même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, nous connaissons, nous avons le son 13 qui est la dernière leçon pour nous étudier ensemble dans 4 trimestres là. Et le thème leçon, c'est Israël en Égypte, verset à mémoriser. Genèse 47, verset 27. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils firent fécond et multiplièrent beaucoup. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Gozen. Ils eurent des possessions, ils firent fécond et multiplièrent beaucoup. Ces versets nous gagnent pour nous capables de mémoriser un cadre d'étude pour semaine. Jodia, qui c'est dimanche 19 juin, Jacob va à la rencontre de Joseph. C'est le thème que nous allons développer ensemble. Nous allons lire dans Genèse 46. Nous allons regarder la signification de pas Jacob là. Mais nous allons appeler tout le texte à nous. Nous allons sortir dans le verset 1 pour arriver dans le verset 7. Après ça, nous allons dans le verset 28 pour arriver dans le verset 34. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arrivait à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Et il dit, Jacob, Jacob, Israël répondit, mais voici. Et Dieu dit, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même, je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob, le père, avec les enfants et les femmes sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils et toute la femme et toute sa famille. Pour nous rappeler le verset 28, pour nous revenir au verset 34. Jacob envoya Judas devant lui et vers Joseph pour informer qu'il se rendait en Gozen. Joseph attela son char et y monta pour aller en Gozen à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longtemps sur son cou. Israël dit à Joseph, que je meurs maintenant, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore. Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et je lui dirai, mes frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers, car ils élevaient les troupeaux et ils ont amené leurs brebis et les bœufs et tout ce qui lui appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De cette manière, vous habiterez dans le pays de Gozen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Eh bien, Noé et Jacob et quitter Canaan. Il quitter Canaan, il était plein espoir parce qu'il était gain deux bonnes assurances. Première assurance, c'est que grand goût
pas t'ap touye yo. Et deuxième assurance que Jacob te gagné, c'est que li connaît petit garçon là qui c'est Joseph, li bel et bien vivant. Ça c'était deux bagay qui te baye et bien élan nécessaire pour que Jacob te capable quitter terre promise là pour t'installer li en Égypte. Et nous ouais, bon Dieu tout est venu parler ensemble avec lui. Et débat Jacob là il était fait écho avec expérience Abraham bien que il trouvait bien que les antigens différents dans le sens que bon Dieu t'ai fait Abraham quitter la caille pour t'aller dans terre qu'il t'ai promet lui hein c'est pour t'aller Canaan mais nous avec Jacob c'est différent plutôt c'est Jacob qui a quitté Canaan pour aller en Égypte et nous appel que bon Dieu t'ai fait ensemble avec lui hein nous il gagne la donne bon Dieu rappeler qu'il a fait venir devenir une grande nation. Promesse que bon Dieu t'a fait tout ensemble avec Abraham lorsqu'il t'a dit Abraham pour quitter la caille et bien bon Dieu t'a dit Abraham la fait vinn devenir une grande nation et bien nous Dieu employé même thème et non seulement il dit avec Jacob pigal peur mais il dit tout la fait vinn devenir une grande nation parole que bon Dieu t'a déjà dit ensemble avec Abraham c'est-à-dire nous parole ça yo il portait une promesse de un avenir qui glorieux. Et nous dans Genèse chapitre 46 pour verset 7 là pour venir verset 27 nous et yo présenter généalogie et bien de Jacob tout petit Jacob yo bay toute génération qui vient après et nous et Jacob monté en Égypte avec 70 petites li. On dit 70 petites et petites li. Sans compter madame et bien petite li yo. Sans compter madame petite li yo. C'est-à-dire Noé Jacob li était monté avec 70 petites. N'a reprend sans qu'il ait pas gagne petite madame li, c'est-à-dire madame petite li yo et ça au même qui était gagne petite, li pas monté et bien li pas pa contrôlé. Mais en parlant des petites li et petit li il était monté avec environ de 70 et bien ça c'est tout Israël net qui était allé en Égypte et chi 70 ça il correspond avec 70 nations que nous jeunes dans Genèse chapitre 10 ça indiquait que le destin de toutes les nations est également en jeu dans le voyage de Jacob et c'est des années plus tard que vérité ça en parlant de 70 nations ça yo que vérité ça après vient paraître un petit plus évident plus clair après la croix et la révélation plus complète du plan du salut qui bien entendu était destiné à toute l'humanité partout pas seulement avec les enfants d'Abraham mais salut à tout le monde impliqué là-dedans et bien nous en d'autres thèmes aussi intéressant que soient les histoires concernant cette famille nous descendons d'Abraham et quelle que soit la leçon spirituelle que nous sommes capables de tirer, eh bien, récit ça, vous trouvez dans la parole de Dieu parce qu'il fait partie de l'histoire du salut. Il fait partie de plein bon Dieu pour apporter la rédemption au plus grand nombre, possible sur cette planète qui est tout à fait déchue. Eh bien, nous, c'est comme ça, eh bien, Israël, ou bien Jacob est après rentrer, eh bien, en Égypte. Noé, bon Dieu, te dit li met aller parce que bon Dieu dit ou pas besoin peur et quand on pour aller en Égypte là même les sont étrangères, ma foi vient devenir une grande nation. Et ça il fait référence avec ça Noé, la fertilité. OK parce que grande nation non seulement les gens symbolisme de foi, mais en thème eh ben de fertilité, eh ben peuple là t'a venir une grande nation parce que et Abraham fait Isaac, Isaac fait Jacob avec Isaïe et nous et promesse ça c'était dans Isaac qui était et bien Isaac fait Jacob et promesse ça encore c'est dans Jacob promesse ça libéral et jeune réalisation c'est-à-dire nous promesse ça libéral réaliser dans Jacob côté Jacob va faire petit Jacob va faire petit et bien il va étendre c'est-à-dire nous en causer grande nation hein. Et bien, il te gagne non seulement les comportements spirituels là-dedans, mais il te gagne également les portée physique. Et bien, Noé, causé 70 nations,
li gen rapport avec l'humanité, c'est-à-dire plein salut que bon Dieu t'a fait, li pas forcément pour les enfants d'Abraham, mais il t'a fait li eh bien pour tout le monde. Eh bien nous a pas de distinction en effet entre juifs et grecs. Yo tout le gen au même Seigneur qui est riche pour tout le monde qui a invoqué. Car quel que soit le monde qui a cité nos bon Dieu, eh bien là va gagner la vie éternelle. Mais qui ça Paul te veut dire qui montrer l'évangile universel. C'est-à-dire, nous, Paul montre pas de distinction. L'évangile là, c'est pour tout le monde. Et plus important encore, qui ça lui dit nous? Qui sa parole ça dit nous? Sur ce que, en tant qu'église, nous avons fait pour nous contribuer à diffuser l'évangile. C'est-à-dire, nous, même en ce moment avec aujourd'hui, nous devons continuer à prêcher l'évangile. Parce que l'évangile là, pas pour un groupe de monde, ni pas pour une nation bien déterminée, mais nous voyons l'évangile, c'est pour tout le monde. Même ensemble avec vous, je dis à nous de prendre détermination pour nous capables prêcher l'évangile afin si là yo qui peut connaître Christ, et bien yo capable et bien faire connaissance ensemble avec lui et servir les gens qui moi-même ou même et bien nous a fait ça. Et bien c'était partie leçon qui nous d'abord ensemble. Je dis à Jacob va à la rencontre de Joseph. Bien avant même que nous allions, on nous remercie bon Dieu. Merci bon parole, merci pour parole ou bon papa. Aidez-nous chaque jour pour nous capables comprendre davantage et mettre en application. Béni, dirige, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Déjà, je vous souhaite une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.